Bonjour à toutes et à tous, c'est Latendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. Et nous allons pouvoir reprendre notre combat puisque nous avons augmenté le niveau de nos personnages en faisant un petit peu de repos. On est passé niveau 31 à 36. C'est un niveau qui va nous être nécessaire, je pense. Mais faut arrêter là. C'est quoi ça? D'un coup, c'est honteux. Hop. Arrêtez de taper Lens, saloperie. Supplément d'art. Attendez, venez suivre le groupe là. Voilà, bien des gens. Maintenant vous êtes là. Vous avez le supplément d'art. Y'a pas du soin quelque part là? Va falloir faire. Va falloir du soin là, les copains. Hop. Sont à portée, let's go. Allez-y. Hop. Paf. Hostilité. Contre hostile. Ok, ça, ça fait un de moins déjà. Un de moins, ça fait mal. Ok, Taïan, tu tapes là, paf. Ah ben voilà, il y a un truc de régénération là. Très bien. Allez, Lenny. C'est Lens. Aïe. Ça, c'est là. Interlink niveau 2. On va pas l'utiliser maintenant, du coup. Unison Strike. Là qui est mieux. Et là, on va faire l'enchaînement sur le troisième. Bah dis donc, on avait bien besoin des niveaux supplémentaires. Comment tu fais quoi, toi? Augmente le pourcentage de dégâts infligés de 50 points quand ce personnage est choisi. Chaîne héroïque augmente le pourcentage de dégâts infligés de 50 points. Ok. Moi, j'y pars derrière. Ça augmente les dégâts de 50 points, ce qui est pas mal. En vrai. Tap. Si je te mets toi. 121. And one for good measure. Tapez-le. Ça fait quoi toi? Augmente de 70% les dégâts infligés aux ennemis ayant peu de PV pendant l'enchaînement. Okay. Est-ce que peu de PV ça correspond à ça? Ça m'a l'air en tout cas. Il devrait crever là quand même, je pense, le mot. Ouais, voilà, parfait. Annulation. On va faire Lens. Ça va pouvoir faire le Ouroboros. Zoom. Hostilité. Hop. Allez, épélite et bétude. Limite 2 points. Et Taïon. Fais ça pour augmenter le bonus XP. Hein. Formidable. Ta-da-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Formidable, absolument. En soi, je pourrais en faire un de plus encore, mais on va pas s'emmerder. Faire ça. Hop. C'est pas prévu que ça passe sur 125, mais c'est pas grave. On a un bonus de 500. C'est pas dégueulasse. Prends-toi la bombe à la gueule.
et le méga marteau du coup. 600%, non même pas, 385 000 hein, alors que j'aurais pu faire un lag de plus. Ah, on aurait pu monter plus. James en est sorti, il n'est pas mort. Les braises soient louées. Okay. Les flammes soient louées. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Peut-être que braise, c'est tout simplement dans leur... dans leur monde. Je vous remercie encore une fois, nous n'aurions rien pu faire sans votre aide. Ce n'était rien. C'est sans doute dur de ma part de parler des lois de nature alors que j'ai si peur de perdre mes amis. Pas du tout. En toute franchise, je trouve qu'il n'y a rien de plus naturel. On m'avait dit que vous pourriez nous libérer du cadran vital. Je me suis dit que si c'était possible, ça rendrait votre vie bien plus simple. En même temps, j'avais mauvaise conscience à admettre que je cherchais une échappatoire. Quand je regardais notre cadran et que je voyais l'énergie vitale disparaître, j'avais déjà accepté mon destin. J'avais peur de remettre en question cette certitude, aussi tragique soit-elle. Peur de ce qui pourrait alors nous arriver. Juniper. Tes paroles ont su me toucher, Noah. Mais je ne pouvais pas détruire de mes propres mains tous les efforts de la colonie et tout ce qu'il représente. Et là, vous avez dit que vous détruiez le cadran vous-même. Vous n'avez plus à me sentir coupable. Comment ne pas vouloir saisir cette possibilité? Tu te rendais forcément compte de l'aspect tragique de vos vies, passées à attendre la mort. C'est pour ça que tu nous as accueillis, n'est-ce pas? Je n'ai toujours pas peur de mourir. Mais l'idée de perdre ceux qui me sont chers m'est insupportable. Quand j'ai vu Gum à terre, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit. Et pendant un bref instant, j'ai ressenti l'étau de la peur. Et pendant ce temps, l'autre est toujours en train de crever, agonisé au sol. Derrière elle, elle fait son discours, je ne veux pas voir les gens crever, et puis... L'autre est en mode, mais aidez-moi, aidez-moi. Je me sentais faible, mais je refusais de voir disparaître mon ami. Alors j'ai arrêté de réfléchir. J'ai fermé les yeux, couvert mes oreilles. Peut-être que j'attendais simplement ma délivrance. Cela ne doit jamais nous empêcher de réfléchir. Tu as raison. Même s'il y a des choses qu'on préfère ne pas voir, il faut toujours garder les yeux ouverts. Et sortir de ta carapace, t'accrocher farouchement à la moindre once d'espoir. Ce n'est en rien un signe de faiblesse. Si vous avez réussi pendant si longtemps à protéger cette colonie, c'est parce que vous avez une grande force en vous. Et dès que vous serez libéré du cadran vital, vous aurez la force de vous adapter de votre nouvelle réalité. Vous deviendrez plus fort encore, j'en suis convaincu. Et vous aurez peut-être tous les consuls du pays au cul, mais ça c'est pas grave. Plus fort, tu crois? Bien sûr. Ce ne sera pas facile. Loin de là. Mais nous vous aiderons. Juniper. C'est toi qui vois, Juniper. C'est grâce à toi si on a survécu jusque-là. Oui, si vous le dites. Si vous pouvez vraiment nous libérer du cadran vital, alors faites-le. Je vous en prie. Et si vous ne pouvez pas, on n'aura rien perdu dans l'affaire de toute façon. C'est vrai. Si vous ne pouvez pas le briser, ce n'est pas grave. Rien ne change sans cause, sans raison. Ces événements m'apprendront peut-être à voir les choses d'une autre façon. Est-ce que je vais avoir le choix de le briser ou pas du coup? Here we go. C'est parti. Parce qu'ils nous ont à chaque fois dit, ils nous ont dit au début, faites attention en détruisant les cadrans vitaux. Il se peut que ça augmente le niveau d'alerte et tout ça, et donc faire attention. Sauf qu'à chaque fois, j'ai pas eu le choix. On m'a forcément dit détruire le cadran vital. Donc le niveau d'alerte augmente. Mais finalement plus facile d'accepter le changement que je ne l'aurais cru. Probablement, oui. Je ne voudrais pas avoir l'air d'abuser, mais je pourrais vous demander une autre faveur? Bien sûr. J'aimerais en apprendre davantage sur le monde, devenir quelqu'un de plus fort. Vous pourrez pas venir? Est-ce que par hasard je pourrais vous accompagner? Vous en pensez quoi les autres? Quelqu'un du calibre de Juniper pourrait certainement nous être utile. Ce serait rassurant de t'avoir à nos côtés. Nous t'accueillerons parmi nous avec plaisir. Et prendre ta classe. Mais ça va aller pour ta colonie? Ils peuvent se passer de toi? La colonie Tau a besoin de changement elle aussi. Nous devons étendre nos connaissances et nous développer. C'est pour ça que j'aimerais partir avec vous, quelque part loin d'ici, afin de découvrir de nouvelles choses. Une sorte de voyage de découverte, hein. C'est sûrement une bonne chose à faire pour progresser. On aurait envoyé quelques-unes de nos jeunes recrues aussi, ça pourrait leur faire un bon apprentissage. Il est temps d'insuffler une nouvelle vie à notre colonie, de briser les chaînes qui nous entravaient. Pour ma part, je pense rester dans le secteur. On ne peut pas tous partir se balader en même temps.
Et visiblement, votre consul ne daigne même pas se pointer. Pourtant, maintenant que nous avons brisé le cadran vital, il devrait être au courant. Je préfère autant ça, si tu veux mon avis. Ne devrions cependant pas exclure la possibilité qu'il vienne vous chercher des ennuis. Prévenez-nous immédiatement s'il arrive quoi que ce soit, d'accord? Ça marche, on comptera sur vous. Bon, nous n'avons pas toute la journée, je crois qu'il serait temps de se remettre en route, non? Tu as raison, allons-y. Eh bien, les amis. Ah, t'inquiète pas pour nous, va. On peut très bien se gérer nous-mêmes. On va prouver à tout le monde de quoi la colonie Tau est capable. Oui, je n'en doute pas un instant. Allez, va-t'en donc. La colonie n'ira nulle part, on sera toujours là à ton retour. On espère, si le consul vous a pas dégommé la tronche. Quête terminée. On va avoir la possibilité de glisser. C'est génial. Descente à la corde. Vous pouvez désormais glisser le long des cordes fixées à certains endroits. Parfait. Juniper, don de classe, elle va le donner à Noah. C'est gagné. Classe de Juniper, archer furtif, rôle combattante, inflige peu de dégâts sur les cibles mais gère bien l'hostilité, coopérer avec les alliés pour exploiter au mieux supplément d'art. Juniper enseigne au groupe cette compétence de terrain qui permet de descendre rapidement d'un endroit élevé en glissant le long des cordes installées sur le terrain. Grâce à l'art du combat que vous a enseigné Juniper, vous pouvez enchaîner par une feinte un art juste après en avoir utilisé un autre sans faire de fusion d'art. Chaque fois que vous réussissez une feinte, cela remplit un peu la jauge d'enchaînement. Ah ok. On peut faire art quoi. Très bien. Colonie Tau continue. Peut-on faire une pause de repas s'il vous plaît? T'as une quête à me faire toi? Je ne vois pas où on pourrait trouver 50 aubergines scintillantes. C'est toujours compliqué à cette période de l'année, mais bon, que voulez-vous. T'as encore des sujets à faire? Salut, alors qu'est-ce que vous dites? Que dites-vous des cordes de descente? Vous en profitez bien? C'est génial, c'est une vraie promenade d'explorer les forêts avec ces cordes, merci. Eh bien, si ça vous a plu, sachez qu'il y a plein d'autres installés un peu partout à travers le monde. Ça vous changera la vie, croyez-moi, et quand vous les utiliserez, pensez à l'incomparable Juniper qui vous a appris cette compétence. Ouais. Interesting. Bon, on va y aller, hein, de toute façon. J'avais prévu. We could do with some food. On va faire le point. Avec les provisions pour Tau, ça fait une quête. Toute la colonie Tau est partie chercher de la nourriture, c'est bien ça? Oui, les réserves sont toujours à peine suffisantes à cette période de l'année. Vous êtes à la dèche à ce point, j'aurais pas cru. Nous aurions bien de quoi nous nourrir, mais nous tenons à entretenir de bonnes relations avec nos voisins. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous donnons toujours un peu à manger aux Ramfa à cette période de l'année. C'est la garantie d'une bonne entente entre nous, nous avons une sorte de pacte. C'est original. Il y a ce Ramfa que les siens appellent le roi Ramfa. Vous voudriez le rencontrer? Carrément, ça a l'air marrant. Entendu, mais je dois d'abord voir avec Rowland, où nous en sommes de nos réserves de nourriture. Pacte Tau Ramfa. Ramfas. Corde de descente. Et je crois que je suis devenue plutôt forte en descente de corde, on n'en a pas fait une fois. Oui, je commence à y être habitué moi aussi, et en fait c'est amusant. Il me semble en avoir vu dans la région de Forni aussi. Tout outil qui peut aider à la traversée est le bienvenu selon moi. Puisqu'on parle de ça, c'est quoi ces lance-cordes, je ne sais pas quoi, que les soldats ont laissé traîner? Oh ça, ils sont généralement transportés et placés par des Levnis, je crains que la plupart ne soient plus en usage. D'accord, mais si on les utilisait, ça nous permettrait d'atteindre de nouveaux endroits, pas vrai? C'est pas une mauvaise idée, si on fait abstraction de celui qui l'a proposé. Et c'était gratuit ça, c'est vrai que c'était gratuit. Tu as raison Lance, la prochaine fois que nous en verrons un, essayons de l'utiliser. C'était très très gratuit. Are we all ready to fight? Alors. Good to add more names. Nous allons... aller. Sur la carte. Et nous barrer d'ici. Ah mais c'est pas du tout là où je veux aller. Attendez, on est là. Ça c'est la grotte, c'est le machin. Non, c'est vraiment ici. Colonie lambda. On est sur la colonie Tau. Là c'est le mont, c'est le titan. C'est où? Voyage rapide, salle générateur. Ah, c'est ici. Voilà. C'est ici que je veux aller. Ah, si. On va devoir faire un petit peu de marche. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ah. Cuisine faite, elle, manque.
Manger fruits et légumes, fruits vraiment épuisant. Devons faire avec quand le jour de congé pourront aller à la colline lambda pour remplir bidou et bon miam miam. Ok. J'aimerais juste virer la quête là. Good to add more names. Let's go someplace else. Let's go someplace else. Non, c'est celui-là, je veux juste virer ça. Quête. Je ne peux suivre. Voilà. Et j'aimerais juste remonter ici. C'était là que j'étais monté ou pas? Non. C'était là, voilà. Je veux aller en face. Vous l'avez dit, hein. Dès qu'on aurait la compétence. Parce que je veux voir ce qu'il y a en face. Je suis trop intrigué pour ne pas le faire. Alors je vais sauvegarder peut-être d'abord. D'ailleurs. Au moins ce sera fait. It's good to keep a record. Voilà. Et là on va monter. De ce côté-là. Hop. Parce que rappelez-vous, c'était la zone Xenoblade Chronicles 2-esque. Et j'ai quand même très envie de savoir ce qu'il y a. Parce que j'avais vu des silhouettes, on aurait dit des personnages. Et ça m'intrigue beaucoup. Vous voyez ? Donc nous allons l'utiliser. Time to take the fast way. I'm sorry, everyone. Ah. Ils sont niveau 82. Lol. Crastor le divin. Et... Sandou l'inatteignable. Eh bien, on va prendre ça. Et puis c'est tout. Je peux repartir par là, voilà. Très bien. Bien, repartons par là. Il y a rien d'autre? Il y a vraiment rien d'autre ici? C'est vraiment juste deux boss, quoi. Même la porte, je peux rien en faire. Très bien. Bah, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait plus. Il y avait bien deux silhouettes. C'est deux monstres. Donc, on va pas faire ça. On va se barrer. On va aller donc sur la carte. Et on va aller faire la mission. Voilà, voilà. On devrait pouvoir passer par là. Sinon, c'est la loose, quoi. C'est la loose. Hop. Alors, de l'autre côté. Attends, t'as un truc à nous dire, toi? Nous ne pouvons pas les abandonner là-bas. Je ferais peut-être mieux d'y retourner avec Graziana. C'est horrible que notre ancien passeur d'âme soit mort dans un endroit pareil. Ah. And now we know things. Noah va vouloir y aller. Alors faut monter, est-ce qu'il faut vraiment que je passe par là ou... We're sliding down. I hope we can make use of this. Une échelle, très bien. Nous avons nos points en argent. Ok. Récupérons ça. Et escaladons l'échelle. Paf, 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 paf. Ah, Lance nous suit, hein. Petit à petit. Ils y vont. Ok. Ah oui, c'est ça, ils sont partis par là et on remonte ici. C'est parfait. Du coup, c'est par là qu'il faut que j'aille. Faut reprendre notre route. This is something decent, right? Je suis censé passer par... je sais pas où.
Allez, je vais devoir vous retaper, vous. Putain. On vous a déjà buté. On le fera une autre fois. C'est là, peut-être. C'est ça, c'est ici. Ah, le passeur d'âme, il est probablement mort ici, d'ailleurs. Ah ! Merde. Ah, je me suis bien fail. C'est un bon fail. J'ai sauté, mais je me suis foiré. Ta-da ! Ta-da-da ! Au final, on a pu leur faire un petit hommage. Très bien. Bon. On va falloir remonter. Watch your footing, guys. C'était pas le chemin le plus rapide. Ah ouais, non, mais c'est hyper loin. Hop, 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 hop. Et zou. Nous avons fait usage en l'espace d'une minute des deux compétences de terrain que nous avons débloquées en faisant des quêtes de héros. Fun fact. En même temps, on n'a que deux, escalade et la glissade. On s'est pété la gueule en glissant, donc c'est sûr. Mais quand bien même. Je n'avais jamais voyagé aussi loin de ma colonie auparavant. Bah nous non plus. Hein. On sortira très bien, Juniper. Allons-y. C'est pas non plus. C'est peut-être un chemin. Jamais aller par là non plus. Hein. On découvre. Hey, mais bien qu'on peut passer par là. En effet. Paf, 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 paf. Qu'est-ce qui va se passer? Oula. Merde. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce qu'il sort ce truc? Bon, on se pose bien la question. Attention, il attaque! Pa-pa-pa-pa, mystérieuse menace. Ah ben, acceptation forcée, une fois de plus. Pourquoi il y a un Levnis là? Ta-ta-ta-ta. C'est bizarre, il n'y a pas de musique, c'est bizarre. Pa-pa-pa-pa. Hop. Il a pas chuté. Allez. Non, on a le supplément d'art. Hop. Et du coup, j'ai bien compris. Je vais en faire ça, ça, ça. Voilà. J'enchaîne les arts, quoi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Hop. Là c'est très utile de faire de la feinte. Autant les fusionner hein. Mais par contre Tommy, ça fait cher là. Merde. Autant faire de la fusion d'art. Faucille ou pas en faire. Okay, merci. J'ai besoin de toi Mio. Il est fort cette merde là. Comment ça se fait? Ah. Je me disais bien. Il a disparu, à quoi ça rime tout ça? Ils sont sûrement à notre poursuite, mais je n'avais jamais vu de Levnis de ce genre. S'agirait-il d'un tout nouveau modèle? Je crois que ça ne servira à rien de se creuser la tête là-dessus. Nous devrions plutôt poursuivre notre route au plus vite. Tu as raison, mais nous ferions mieux de rester sur le garde, à moins que, au moins jusqu'à ce que nous ayons quitté la forêt. Quête terminée. C'est très étrange ce machin. Mystérieuse menace. C'est baptisé aussi soudainement qu'il est apparu. Oui, je me demande bien ce que ça veut dire. C'est de pire en pire.
Kivs et Agnus ont tous de mobiliser leurs troupes en masse. On va devoir les éliminer petit à petit. J'aimerais vérifier un truc. C'est le personnage. Ah ouais, non, mais j'en ai loupé plein en fait. J'en ai loupé plein. C'est étrange. Ah, lui, j'ai l'impression que c'est le commandant Isurd. Donc j'ai quand même l'impression qu'il faut que je pourrais y aller. Parce qu'en plus, sur la carte, il y avait un truc là, mystère, je sais pas quoi. Donc on va aller faire ça. Ah, attendez. J'ai un repère là où je suis ou pas? Et non, il n'y a pas de repère. Bon, au prochain repère, du coup, on fera ça. C'est un repère de téléportation, ça ou pas? Ça aurait été très beau. Non, ça aurait été trop beau. Ça aurait été franchement trop beau. Ça s'est pas mis sur la petite mine, la mini-carte en dessous. Je me disais peut-être. Mais... Ah, il y a un truc de terre là. Hop. Paf. Les équilibres. Paf. Chut. Et vécu. Tape Noah. Hop. Redéséquilibré. Pas mal. Overfall. Ok, lui il est dead. Elle est là, la veine. Okay. Vas-y. Il avait plus de 2. Ce qui est pas mal. On va glissade. Cette fois, je vais pas sauter. Wouhou! C'est vrai que c'est un côté satisfaisant. Il y a un côté satisfaisant. Here we go, guys. I'll follow your lead. Tu veux nous taper, toi, hein? Je sais qu'il veut nous taper, ce serpent. Dès qu'on va le détourner, il nous tapera. Ah, je le tape en premier. Voilà. Hop. Liberation! Arrow! Tap 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 tap. Tape lui. Très bien. We're unstoppable with you around, Senna. You want me to lead? You want me to lead? Nope. Bon, il va respawner là, le monstre, on est d'accord. Ah non, il y a un camp. Peut-être pas. Malala. Tout le monde, écoute, urgence absolue. Qu'y a-t-il, Manana? Manana peut plus du tout. Si Manana marche encore, papa te décroche et jamais repousse. C'est vrai que nous n'avons pas pris de pause depuis la colonie tôt. Cherchons un endroit où monter le camp, d'accord? Mais, et miam miam alors, faut préparer miam miam. Tu en auras encore la force, Manana? Toujours. Mais Manana a gros trou dans le pauvre bidou. Amis porcs, on devra aider popoter, pour vite manger. Bien sûr, nous t'aiderons avec plaisir. On s'attendait, on avait vu le feu de camp. Là. Je suis curieux de voir quelle stratégie est en usage dans un endroit si verdoyant. Et là, d'aller chasser ensemble, je m'y connais plutôt bien. Très bien, nous avons un point de téléportation. On a un point de téléportation. Colonie lambda. Celle-là, non. Il y a combien de Vendetta ici, c'est abusé. Hop. Elle est pas là, la colonie lambda? Non, pas du tout. Ah si, c'est là, mais celle-là, c'est à l'intérieur de la colonie. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode, on se retrouvera dans le prochain pour la suite. Mais ce sera pas la suite de l'histoire, on ira aller. Non.
on ira voir à la colonie lambda pour parler à Isurde. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.